Vamos a un Shiram. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la raison pour le développement d'une psychologie supramentale. Pourquoi? Puis, j'ai répondu que aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, l'homme vit dans des conditions psychologiques extrêmement émouvantes à cause du flux de la vie, puis des compressions à tous les niveaux. Pour un ego qui n'a pas d'identité, c'est très difficile, surtout quand l'homme est dépourvu, soit d'emploi ou dépourvu au niveau des relations humaines, ainsi de suite. L'homme a besoin réellement de pouvoir comprendre sa condition. Puis la psychologie évolutionnaire lui permet de créer ce que j'appelle un modèle de conscience. Quand je dis un modèle de conscience, on peut avoir par exemple un modèle pour la compréhension des systèmes physiques, et on peut aussi développer un modèle pour la compréhension des systèmes psychiques. Ce modèle-là est extrêmement important parce que il permettra à l'homme finalement de comprendre parfaitement la relation entre les événements qu'il vit et le choc que ces événements-là créent dans sa vie lorsqu'ils sont négatifs. Ce ne sont pas les événements positifs qui nous dérangent. Ce sont les événements qui sont d'ordre négatif, les événements qui affectent nos vies. Donc l'homme a besoin d'un modèle, un modèle mental. Et ce modèle mental-là, il est basé sur certains principes, dont un est la communication instantanée avec le plan mental. La communication instantanée avec le plan mental, c'est beaucoup plus que ce que ça semble. Dans ce sens que cette communication-là invite l'homme à retracer les pas de sa conscience psychologique. Et quand je dis retracer les pas de sa conscience psychologique, je veux dire en arriver à prendre le contrôle sur le processus mental, sur le processus de ses pensées. Mais prendre le contrôle à partir d'une démarche intérieure fondée sur une télépathie et non pas sur des habitudes ou sur des mécanismes astraux, c'est-à-dire des mécanismes qui font partie de la conscience évolutive. Ce modèle d'évolution-là permettra à l'homme de s'engager psychiquement dans un processus confrontationnel avec ce qu'il considère la source de sa conscience. Pendant l'évolution, à cause de notre spiritualité, à cause des systèmes philosophiques, des systèmes religieux, ainsi de suite, et aussi à cause de la paternité qu'on octroyait à n'importe quelle source de conscience, paternité divine, l'homme a toujours eu un Dieu. Et pendant l'évolution, cette paternité-là que l'homme avait lui servait de protection psychologique contre les événements de la vie. Par contre, ne lui permettait pas de confronter sa réalité intérieure. Et l'homme n'a jamais confronté, d'ailleurs, les origines de sa conscience. C'est pour ça que la spiritualité, pendant l'évolution, a été extrêmement puissante et elle a servi à l'évolution psychologique des races, au développement psychologique des nations et aussi au développement spirituel de l'homme. Mais elle n'a pas permis cette spiritualité-là, que l'homme en arrive à être intelligent. Autrement dit, que l'homme en arrive à réellement comprendre sa relation avec la source, donc avec son plan mental. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas confrontationnel. L'homme était pieux, l'homme était religieux, l'homme était assujetti à cette paternité spirituelle-là, comme l'homme a été toujours assujetti
à la spiritualité émanant des sphères religieuses temporelles. Dans l'évolution, l'homme va devenir confrontationnel. Parce que dans l'évolution, l'homme entrera dans l'âge de la liberté. Et quand un être devient libre, que ce soit libre sur le plan matériel ou que ce soit libre sur le plan psychique, il devient confrontationnel. Il n'y a pas de liberté sans confrontation. Regardez-les sur le plan de l'homme, sur le plan historique. Regardez-les en termes des guerres, en termes des libérations, en termes des développements sociologiques. Il n'y a pas de liberté sans confrontation. Pourquoi? Parce que le pouvoir, quel que soit le pouvoir, tend à dominer l'homme, parce que le pouvoir n'est pas éclairé. Donc, l'homme de l'évolution sera obligé d'entrer dans une phase de confrontation avec avec les forces psychiques du plan mental, et dans cette confrontation-là, l'homme en arrivera éventuellement à se créer un nouvel ego. Et la création d'un nouvel ego, c'est essentiellement la définition créative du lien entre l'homme et l'invisible, ou l'homme et les plans occultes. Si l'homme ne se crée pas un nouvel ego, son ego est prédéterminé et préconditionné par sa culture. Donc, si vous êtes né dans un milieu qui favorise la chrétienté, le catholicisme, la spiritualité, votre ego sera coloré par cette expérience-là. Par contre, si l'homme entre dans une phase d'évolution, dans une phase de conscientisation, où le développement d'une psychologie évolutionnaire fait partie de son nouvel amorce, à ce moment-là, l'homme doit est forcé ou sera forcé de devenir confrontationnel afin de se libérer des émotions subjectives qui constituent son lien avec le plan astral, donc qui constituent sa manière de penser, donc ultimement sa manière d'être. Et quand je dis que l'homme doit devenir confrontationnel pour se créer un nouvel ego, je veux dire que l'homme ne peut pas se créer un nouvel ego simplement en s'alliant à des systèmes de pensée ou à des systèmes d'expérience qui font partie de l'évolution. Autrement dit, si vous faites du yoga, vous ne pouvez pas vous développer un nouvel ego. Si vous êtes spirituel, vous ne pouvez pas vous développer un nouvel ego. Si vous faites de la méditation, vous ne pouvez pas développer un nouvel ego. Si vous êtes intéressé aux sciences ésotériques ou occultes, vous ne pouvez pas vous développer un nouvel ego. Un nouvel ego, ça ne se développe pas par l'apprentissage psychologique. Un nouvel ego, ça se développe par la confrontation entre l'homme, le mortel, et les plans qui sont à l'origine de sa pensée. Cette confrontation-là permettra à l'homme de développer une nouvelle vibration. Et quand je dis une nouvelle vibration, je veux dire que l'homme en arrivera finalement à se posséder lui-même. Alors que pendant l'évolution, l'homme conscient ou inconscient était possédé par les forces astrales, dans l'évolution, dans la période transitoire, dans le passage de l'évolution à l'évolution, l'homme est devenu possédé par les forces mentales, et dans l'intégration, dans le processus final de la réduction de sa conscience à un centre de puissance, l'homme en arrivera à se posséder lui-même. Mais pour se procéder soi-même, il faut que l'on confronte ce qui nous possède. Si l'homme n'arrive pas à confronter ce qui le possède, il ne peut pas se posséder lui-même parce qu'il est dépossédé de lui-même dans ce processus-là. Et cette condition-là, c'est la condition que l'on qualifie comme étant la nouvelle condition occulte de l'homme. Mais ce n'est pas suffisant que l'homme ait une conscience occulte. Parce qu'avoir une conscience occulte, c'est simplement le début d'une redéfinition
de la conscience humaine par rapport à ce qu'on appelle les plans invisibles ou les plans parallèles. Et pour que l'homme puisse se situer parfaitement par rapport à lui-même, il faut éventuellement qu'il en arrive à confronter ce qui constitue pour lui et qui est mis en évidence lorsqu'il souffre. Parce que c'est dans la souffrance que vous allez vivre la confrontation, que l'homme vivra la confrontation. C'est pas dans le bonheur, c'est dans la souffrance. Alors, dans la souffrance, l'homme vivra la confrontation parce que il sera obligé de constater que ce qu'on appelle les forces occultes, ce n'est ni plus ni moins qu'une quantité d'énergie en lui qui n'est pas maîtrisée par son mental ou par lui-même. Donc, votre énergie de conscience qui n'est pas maîtrisée par l'âme, par vous-même, constitue ce que les gens appellent le subconscient ou constitue ce qu'un ésotériste ou un occultiste appellerait, par exemple, les forces de la conscience occulte chez l'homme. Pour que l'homme se repossède, il doit confronter ce qu'il a possédé, consciemment ou inconsciemment, et qu'il l'a dénaturé et qu'il l'a empêché de se développer une identité. Mais si vous pensez que les forces occultes chez l'homme vont vous donner la liberté, vont vous rendre libre parce que vous le demandez, vous mettez un doigt dans l'air. Aucune entité, que ce soit une entité matérielle, que ce soit une entité immatérielle ou psychique, qui est en contact vibratoire ou qui est en contact relationnel avec une autre entité, mais dans une situation de supériorité, ne donnera jamais ou ne permettra jamais que l'autre entité qui est assujettie prenne le pouvoir sur elle. Si vous êtes patron dans une industrie que vous avez le pouvoir sur les individus, vous ne donnerez jamais aux individus le pouvoir tant que vous n'aurez pas été confronté par eux, par exemple à travers les unions. Alors, au niveau occulte, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les entités, on ne les voit pas en général. La plupart des hommes ne les voient pas. Donc, le processus confrontationnel permettra à l'homme de développer un nouvel ego. Et ce nouvel ego-là sera fondé sur deux aspects. Un des aspects sera le rappel à l'ordre. Ce que j'appelle le rappel à l'ordre, c'est la capacité chez l'homme d'en arriver un jour à instruire occultement l'entité qu'il véhicule. Si l'homme n'est pas capable d'instruire une entité qui est dans l'invisible et qu'il véhicule par le truchement de sa relation psychique avec l'invisible, l'homme ne peut pas se développer un nouvel ego. Parce que l'entité aura toujours sur lui l'ascendance. Avez-vous déjà remarqué, en tout cas pour ceux qui ont une communication intérieure, avez-vous déjà remarqué que quand ça va bien, il n'y a pas de contact quasiment. Puis quand ça va mal, il y en a un. Puis quand on veut de l'aide, ça coupe. Avez-vous déjà remarqué ça? Alors, pour que l'homme se développe un nouvel ego, il doit confronter l'entité avec laquelle il travaille. Et dans ce processus confrontationnel-là, il va être obligé, quelque part dans le temps, de maîtriser l'entité, c'est-à-dire de l'instruire. Parce qu'il n'y a rien qui vous dit que l'entité qui fait partie de votre conscience sur le plan mental, je ne parle même pas du plan astral, là. Je parle du plan mental. Même sur le plan astral, c'est encore pire. Mais l'entité qui fait partie, qui est à la source de votre conscience mentale, il n'y a rien qui dit que cette entité-là est plus intelligente que vous. Comprenez-vous ce que je dis? Vous pouvez avoir l'impression qu'elle est plus intelligente parce qu'elle est sur un autre plan, parce qu'elle connaît l'avenir. Mais ça, ce n'est pas une mesure de l'intelligence de connaître l'avenir. C'est pas parce que vous connaissez l'avenir que vous êtes plus intelligent qu'un autre. Être intelligent, ça veut dire être capable de superimposer son intelligence sur une autre.
si vous êtes capable de superimposer votre intelligence sur l'entité qui est à l'origine de vos pensées, à ce moment-là, on peut dire que vous êtes intelligent parce que vous êtes forcé à ce moment-là d'instruire l'entité dans l'invisible. Et quand l'homme pourra instruire les entités qui sont dans l'invisible, l'homme sur la terre sera totalement unifié dans sa conscience. Et à ce moment-là, il n'aura plus rien à apprendre de l'invisible. C'est lui qui enseignera l'invisible. Mais tant que l'homme n'enseignera pas l'invisible, parce qu'il n'aura pas développé un nouvel ego, il sera obligé d'être assujetti à l'invisible, parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ça fait partie du fait que l'homme n'est pas dans son esprit totalement. Donc, il n'est pas parfaitement libre. Mais avant de pouvoir enseigner à une entité, il faut le confronter. Et la confrontation ne peut pas exister dans la chaleur de la joie. La confrontation existe dans la douleur du contact. Et la douleur du contact, c'est l'expérience ou les expériences que vous vivez, où vous sentez que vous n'avez pas le contrôle. Où vous sentez que la pensée qui vous passe dans le canal, elle peut vous jouer un tour. Pour apprendre, effectivement, ça va vous permettre d'apprendre quelque chose. Mais le principe demeure que l'homme n'est pas en contrôle. Si tu vas chez Blue Bonnet, je vous donne un exemple stupide. Si tu vas chez Blue Bonnet, aux courses, puis tu vas intérieurement, tu dis, quel cheval qui rentre? Le cheval qui rentre, c'est supposé être le cheval que tu reçois dans ta tête. Hein? Si c'est pas le cheval que tu reçois dans ta tête, ils savent, eux autres, c'est le cheval numéro 4 qui rentre. Mais s'ils disent, c'est le cheval numéro 3, puis ils te font perdre, tu vas vivre une douleur. Éventuellement, cette douleur-là va vous amener à un état confrontationnel, pour qu'éventuellement, quand vous allez chez Blue Bonnet, puis que le cheval rentre, puis que vous avez réellement gagné vos épaulettes, parce que le pouvoir ne vous sera pas donné comme ça. À ce moment-là, ben, quand vous regardez dans l'éventail des chevaux sur le terrain, puis que vous dites, bon, mais c'est le cheval numéro 7 qui rentre, c'est le cheval numéro 7 qui rentre, pas le numéro 5. Donc, pour que l'homme en arrive à pouvoir dominer dans sa conscience occulte, je ne dis pas dominer l'occulte, vous ne dominerez jamais l'occulte, mais vous pouvez dominer dans votre conscience occulte. Dominer l'occulte, c'est une illusion, l'invisible est beaucoup plus vaste que le matériel, l'invisible contient tout, l'invisible a accès au passé ou au futur, donc vous ne pouvez jamais dominer l'occulte. Mais vous pouvez dominer dans l'occulte, dans l'invisible. Et pour que l'homme domine dans l'invisible, il faut qu'il se soit amené, au cours de son évolution, à le confronter. Mais confronter l'invisible, ou confronter une entité intérieure, ou confronter un contact intérieur, ou confronter un guide spirituel, ou appelez ça comme vous voulez, pour confronter une entité, faut avoir réalisé jusqu'à quel point l'invisible domine l'homme à travers sa pensée. Je vous donne l'exemple de Blue Bonnet. Pourquoi quand tu vas chez Blue Bonnet, c'est le cheval qui rentre, c'est pas le cheval que tu vois dans ta tête? Parce que ça fait partie des expériences de l'âme. Mais il va venir un point dans l'évolution de l'âme, au cours des 2500 prochaines années, où l'homme va être fatigué, tanné, écœuré de toujours être testé, puis testé, puis testé, puis testé, puis testé. L'avantage d'un être conscient par rapport à un être inconscient, c'est que lui est testé, puis il sait. Tandis que l'être inconscient, il est testé aussi, mais il ne sait pas. Alors que l'être conscient est testé, mais il sait. Mais être testé, puis savoir, c'est une chose. Mais être testé, puis en arriver à pouvoir mettre un terme au test, c'est réellement la victoire de l'homme et c'est le début de sa liberté. Mais ça demande la création par l'homme lui-même d'un nouvel ego.
et l'homme conscient se créera un nouvel ego. Donc, quand je dis que la création du nouvel ego s'est fondée sur la confrontation avec une entité, je veux dire que dans la mesure où l'homme sera amené à cette confrontation, à son niveau à lui, ce qui résultera de cette confrontation, c'est une haine absolue pour l'invisible. Mais cette haine pour l'invisible ou cette haine pour l'occulte ou pour les forces qui sous-tendent sa conscience, ce ne sera pas une haine émotionnelle comme on a vécu pendant l'évolution. Ce sera simplement un rapport de force extrêmement développé qui permettra à l'homme pour la première fois depuis son incarnation dans le plan matériel à ne plus avoir aucune attente à partir des plans. Donc, quand un homme n'a plus d'attente à partir des plans, le canal se refermera dans sa conscience. Donc, pour les hommes de la Terre qui sont en évolution de conscience, quand le canal est ouvert, les hommes sont en évolution de conscience, les hommes sont en progression de conscience, ils se créent ce qu'on appelle l'éveil de l'ego. Mais un jour, l'homme lui-même devra refermer le canal. Mais cette fois-ci, il refermera le canal volontairement parce qu'il n'aura plus besoin d'être guidé à partir des plans. Quand l'homme n'aura plus besoin d'être guidé à partir des plans, l'homme se guidera lui-même, il aura la vibration qui lui permettra de concrétiser sur le plan matériel son alliance avec l'invisible, mais par le truchement du silence occulte complet. Autrement dit, pendant l'évolution, l'homme était seul. Vous étiez seul quand vous étiez inconscient. Vous ne saviez pas d'où ça venait vos pensées. Vous pensiez que vous pensiez. Quand vous devenez conscient, vous prenez conscience d'un rapport avec un autre plan. C'est intéressant. Le travail commence. L'évolution commence. La transformation commence et la souffrance commence. Right? Et dans la troisième phase de ce processus humain-là, l'homme refermera le canal, n'aura plus besoin du support psychologique qu'il avait auparavant avec son entité de fond. Parce qu'il aura tellement confronté l'entité que tout ce qui restera de son contact télépathique avec elle sera la haine des plans. La haine des plans dans ce sens que l'homme ne permettra plus à aucun niveau de son expérience d'être manipulé par une entité qui a accès à des événements ou à la compréhension d'événements qui dépassent la conscience humaine. L'homme deviendra alors à ce moment-là libre. Il n'aura plus d'émotion dans le mental. Et lorsqu'il déterminera ou définira sa relation avec les plans, donc essaiera de construire une cosmogonie, ou que l'homme essaiera de comprendre les événements sur la Terre, l'homme aura finalement la capacité de le faire en toute quiétude d'esprit, parce qu'il n'aura plus à réfléchir son esprit. Tant que l'homme aura à réfléchir sur son esprit, il sera obligé de réfléchir sur son esprit. Et réfléchir sur son esprit, ça veut dire expérimenter un rapport avec un autre plan. Donc à ce moment-là, l'homme aura un silence mental total, intégral, et il invitera de temps en temps son esprit à communiquer avec lui, mais toujours dans des conditions qui lui feront préférence. Autrement dit, parle-moi pas, tu me parleras quand je te le dirai. Alors que maintenant, c'est que ça me parle tout seul, que je veuille pas. Puis pendant l'évolution, ça me parlait aussi, puis je ne savais pas que ça me parle là. Fait qu'il y a trois phases. Quand on était inconscient, ça nous parlait, puis on ne savait pas. Quand on est devenu conscient, ça commence à nous parler, puis ça n'arrête plus. Puis quand l'homme intégrera toute cette énergie-là,
Il forcera la fermeture du canal. Ça n'est pas le refus. Parce qu'il y aurait pu en lui de naïveté. Ma définition de la naïveté, c'est pas la vôtre, c'est pas celle du dictionnaire Larousse. Ma définition de la naïveté, c'est l'inhabilité de l'âme de comprendre, de savoir que son lien avec l'invisible est toujours, sera toujours et a toujours été un lien expérientiel. Si l'homme avait eu pendant l'évolution des contacts avec l'invisible, il y en a eu des médiums pendant l'évolution. Il y en a eu des grands êtres inspirés pendant l'évolution. Si l'homme avait eu des contacts réellement créatifs avec l'invisible, et quand je dis créatif, je veux dire fondé sur la loi de la liberté, que lui seul peut définir. Aujourd'hui, on serait très avancé, l'humanité. Les Égyptiens communiquaient avec les plans, tous les vieux peuples, les Grecs, on a toutes sortes de légendes. Les Indiens, c'est pas nouveau la communication avec les plans. Mais les déchets dans la communication avec les plans, c'est une histoire. C'est une histoire abominable qui fait partie de l'évolution, qui fait partie de la souffrance existentielle de l'âme, qui est derrière les guerres et les abominations de toutes sortes que l'humanité a survécues. Mais dans l'évolution, chez l'homme conscient, dans l'évolution future, l'homme va être trop intelligent pour s'assujettir à des états de conscience qui pervertissent sa réalité, qui lui enlève son identité et qui lui enlève surtout le pouvoir de confronter l'entité qui le chevauche. Tous les hommes sur la terre sont chevauchés par une entité. Il y en a qui sont chevauchés par 4, 5, 6, 7 entités. Là, c'est un petit peu malade. Mais tous les hommes de la terre sont chevauchés par une entité. Sur un plan astral ou sur un plan mental. La conscience de l'ego, d'ailleurs, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. La conscience de l'ego, c'est une conscience multidimensionnelle. Donc, l'homme avancé commence à réaliser ça. Mais pour que l'homme en arrive finalement à finaliser sa relation avec les plans, il sera obligé de les confronter. Comment l'homme confrontera les plans? Bien, ce sera à la mesure de sa naïveté. Si vous êtes naïf plus que l'autre, bien, vous pourrez moins confronter les plans. Si vous êtes moins naïf que l'autre personne à côté de vous, vous pourrez plus confronter les plans. Donc la naïveté, ma définition de la naïveté, c'est celle-ci, c'est l'inhabilité de l'homme de savoir que toute relation avec les plans qui le chevauchent mène éventuellement et doit mener éventuellement à une confrontation. Donc, si la relation avec les plans ne mène pas à une confrontation, vous demeurez, en tant qu'être sur la Terre, des êtres sensibles, des sensitifs, des médiums, toute l'acabie d'expériences qu'on connaît, qu'on lit dans les livres. Mais pour un être conscient, c'est pas suffisant d'être médium, d'être psychique, d'être télépathe, d'être... Parce qu'éventuellement, les forces qui chevauchent l'âme doivent être amenés à le résurrecter sur le plan de son identité. Et pour que ça se fasse, pour que l'homme devienne totalement intégral, il faut qu'il se mette en opposition dans le temps avec ces forces-là, parce qu'il doit conquérir ses craintes. La conquête de vos craintes, c'est ultimement la définition personnelle que vous donnez ou que vous pouvez octroyer à votre pouvoir personnel. Votre pouvoir personnel sur la matière, votre pouvoir personnel dans la vie et sur la vie dépend de votre capacité de confronter l'entité qui vous chevauche. Sinon,
L'homme n'a pas de pouvoir parce que l'homme n'est pas libre. Vous pouvez avoir des facultés. Mais même les facultés psychiques que vous pouvez avoir font partie de votre expérience. Alors que le pouvoir de l'homme sur l'invisible, pouvoir qui demande une confrontation, l'amènera éventuellement à établir avec l'entité qu'il chevauche une priorité hiérarchique. Priorité hiérarchique, ça veut dire moi je viens avant toi. Moi, je suis plus important que toi. Ma vie est plus importante que toi. Si votre vie en tant qu'humain n'est pas plus importante que la conscience de l'entité que vous avez, ou que la présence de l'entité que vous avez, vous êtes fait à l'os. Vous demeurez un être spirituel, puis vous allez mourir spirituel. Mais si votre vie est plus importante que la présence de l'entité, à ce moment-là, vous êtes déjà arrivé à un état de confrontation et il vous reste simplement à amender votre relation avec elle. L'amender, ça veut dire la changer. Et la changer, ça ne se fait que radicalement. Et pour ça, il faut que vous ayez une haine totale pour l'entité qui chevauche. Et c'est la raison pour laquelle, pendant l'évolution, malgré les contacts télépsychiques que l'homme avait avec les plans, malgré le fait que l'homme était médiumnique, malgré que le fait que l'homme parlait aux muses, dans le fond, il parlait aux muses. J'ai pas l'illusion que les idées nouvelles qui jaillissent de la province de Québec vont changer le monde. J'ai pas cette illusion-là. Que mes livres se vendent, se vendent pas, que mes livres se diffusent pas. Pour moi, c'est ça l'important. Je dis pas de ça, oui. Mais que mes livres soient là, pour que quelqu'un les prenne quand il est prêt, ça c'est important. Que mes livres soient là pour que quelqu'un dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, 200 ans, quand il sera prêt, qu'il puisse le prendre, le livre, il est là, il est à sa portée. On les prend, les livres de Platon sont là. On les prend, les livres de Saint Thomas d'Aquin sont là. Le gars est parti, mais les livres sont là. On les prend, les livres de Jean-Jacques Rousseau, quand on est prêt pour du Jean-Jacques Rousseau. Alors, un jour, l'homme sera prêt pour des livres qui auront été créés par un homme qui a confronté l'occulte. Et à ce moment-là, l'homme pourra finalement réaliser son rêve, c'est-à-dire sa capacité de vivre sur la terre dans une conscience et selon un mode de vie qui lui convient en tant qu'individu, parfaitement, sans aucune condition. Parfaitement, sans aucune condition. Si vous ne pouvez pas vivre parfaitement, sans aucune condition, déterminée par une entité qui vous chevauche et qui manifeste sa présence en fonction d'un plan de vie qui n'a pas votre affaire, à ce moment-là, vous n'êtes pas des êtres libres. Vous êtes simplement des êtres qui vivent une conscience expérimentale. Ça, c'est une évolution. Donc, quand je parle d'un modèle de conscience, je veux dire une façon pour nous, les hommes, de comprendre notre vie et les événements de notre vie dans la mesure où on est arrivé à pouvoir contester
l'imposition qui fait partie de notre existence. Mettre un frein à cette imposition-là. Confronter l'entité. Refermer le canal. Et vous allez voir que autant l'entité est prête à ouvrir le canal, autant l'entité ne sera pas intéressée à fermer le canal. Parce qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus oppositionnel qu'une entité. Il n'y a rien de plus oppositionnel dans la vie de l'être humain, que vous soyez de n'importe quelle race, que vous soyez inconscient ou conscient, qu'une entité. Parce qu'une entité vous permet d'évoluer sur le plan de l'âme, mais ne vous amène pas directement au pouvoir de votre conscience. Parce que quand l'homme en arrive au pouvoir de sa conscience, le pouvoir de l'entité en est autant diminué. Donc, le pouvoir de la conscience humaine, c'est ultimement l'abolition intégrale du pouvoir de l'entité sur soi. Et ça demandera ultimement que l'homme soit capable de fermer le canal. Quand vous vivez des événements qui ne vous conviennent pas, qui vous conviennent sur le plan de l'expérience, mais qui ne vous conviennent pas en tant qu'ego, vous pouvez facilement remarquer que vos émotions s'engagent, que vos pensées se développent très rapidement. Il y a une sorte d'accélération là, au niveau psychologique. Et cette accélération-là, qui ultimement vous crée la souffrance, elle existe parce que l'homme n'a pas de pouvoir sur l'entité. Vous venez de perdre votre chance. Vous venez de perdre un parent cher. Vous venez de perdre votre job. Vous êtes malade, whatever. À partir du moment où vous venez en contact avec une expérience sur la Terre qui ne fait pas votre affaire, vos émotions et vos pensées s'entrelacent et vous souffrez. Et aujourd'hui, l'homme souffre beaucoup plus qu'avant. Parce que l'homme est plus isolé qu'avant. L'homme a moins de support psychologique lui venant de la religion qu'avant parce qu'il est moins naïf. Par contre, il n'y a pas plus les réponses qu'avant. Donc, la situation de l'homme moderne, c'est une situation très difficile. Parce qu'avant, au moins, il y avait l'Église pour le guider, pour l'aider. C'est la volonté de Dieu, monsieur, que vous souffriez. C'est la volonté de Dieu, monsieur ou madame, que vous ayez 14 enfants. C'est la volonté de Dieu, monsieur, que vous perdiez votre job. C'est toujours la volonté de Dieu. Un jour, l'homme va comprendre, puis il va dire, bon, dans le cul des peintures, c'est ma volonté à moi de ne pas avoir 14 enfants. Mais ça viendra lorsque l'homme aura finalement commencé à réaliser, ça c'est dans l'expérience, dans la douleur, à réaliser que le contact avec l'invisible est bon simplement dans ce sens qu'il permet à l'homme d'éveiller sa conscience, mais il est à long terme nuisible. Parce qu'il ne redonne pas à l'homme sa liberté. Il faut que l'homme l'arrache. Pendant l'évolution, l'homme ne pouvait pas arracher au plan la liberté parce que pendant l'évolution, l'homme était assujetti à des doctrines idéologiques. La religion, l'ésotérisme, l'occultisme, whatever, les philosophies, les légendes.
Alors que dans l'évolution, l'homme confrontera l'entité qui le chevauche à un point tel que les idéologies n'auront plus de place dans sa conscience. Donc, à partir du moment où l'homme ne peut plus se faire dire comment est constitué l'univers invisible, à partir du moment où l'homme ne peut plus se faire dire comment il doit vivre sa vie, à partir du moment où l'homme ne peut pas se faire dire que sa relation occulte avec l'invisible, c'est une relation souhaitable. L'homme ne peut pas évoluer, confronter et ultimement définir le vrai visage de sa liberté. Et la grande découverte psychologique ou psychique du 20e siècle sera la réalisation chez l'être avancé que tout lien occulte avec les plans ultimement mène à la défaillance de l'homme à un niveau ou à un autre. À moins que l'homme, quelque part dans son expérience, confronte l'invisible, donc confronte les forces en lui qui sont oppositionnelles pour en arriver finalement à établir et à monter, à structurer sur le plan matériel, dans son expérience humaine, un mode de vie qui convient à son intelligence, à sa sensibilité et à sa volonté. Fait que c'est une grosse job. C'est pour ça que quand on parle d'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, on parle d'évolution de développement à long terme en ce qui concerne l'humanité et même à long terme en ce qui concerne l'individu. Parce que pas tous les individus ont la capacité de saisir la qualité de leur expérience. C'est pas parce que vous êtes médium ou que vous avez un contact avec les plans que vous pouvez saisir, comprendre, mesurer la qualité de votre expérience. Si vous pouviez le faire, vous altéreriez énormément de choses dans votre vie. Mais vous pouvez pas le faire parce que la relation entre l'homme et l'entité qu'il chevauche, c'est une relation, d'ailleurs, qui se développe graduellement, qui se comprend graduellement, et qui permet à l'homme, graduellement aussi, d'en arriver à une relation avec l'entité qui est suffisamment ajustée pour qu'il ne souffre pas trop. Sinon, les hommes seraient menés au suicide. Alors, une entité de lumière n'est pas intéressée à amener un être au suicide. Ce n'est pas des entités astrales, ça. Ils ne sont pas intéressés à amener un être humain au suicide. Par contre, s'ils sont laissés libres, à faire ce qu'ils veulent, parce que l'homme n'a pas été enseigné ou que l'homme ne sait pas ou l'homme ne connaît pas les lois occultes de sa conscience, ils peuvent mettre l'homme en initiation et maintenir son expérience dans une phase initiatique pendant des années de temps. Alors qu'une initiation, j'ai pas de problème avec ça, ça doit durer tant de temps, pas plus. Mais ce temps-là que ça doit durer, c'est l'homme lui-même qui doit le mesurer. Si vous n'êtes pas capable de mesurer le temps qui est disponible à votre transformation intérieure, à ce moment-là, le temps va s'allonger. Vous allez demeurer en initiation longtemps. Et si vous demeurez en initiation trop longtemps, éventuellement, vous ne pourrez plus vous raccorder avec l'expérience planétaire. Et éventuellement, votre relation avec la vie, la société, le système de vie qui existe aujourd'hui sera une relation extrêmement pénible. Parce que vous serez trop sensible pour être inconscient, vous serez trop sensible pour participer à la vie comme tout le monde, et dans un même temps, vous n'aurez pas le contrôle de votre vie
et de votre relation avec les plantes. Alors que si l'homme en arrive éventuellement à confronter l'entité qui le chevauche, selon son expérience, et à mettre un frein à la manipulation de sa conscience à travers la pensée, l'homme en arrivera finalement à avoir une vie agréable. Quand je dis avoir une vie agréable, je dis avoir une vie sombre. Une vie à la mesure de sa noblesse. Une vie à la mesure de son intelligence, de sa compréhension, au lieu d'une vie mécanique, là, réellement compressée, manipulée. Une vie numérotée, comme on connaît de plus en plus dans nos sociétés modernes industrielles. Donc, pour que l'homme se crée un nouvel ego, il faut qu'il s'institue individuellement comme maître de sa propre conscience. Pas laisser l'entité être le maître de sa conscience. Que lui s'institue comme étant maître de sa conscience. Pour ça, il faut qu'il confronte l'entité. Parce que la confrontation vous permet, en tant qu'ego, ou en tant que mortel, d'établir la limite de l'invasion de votre psyché par l'entité. Une limite. C'est assez. Donc, si vous établissez une limite dans votre relation avec l'entité, il y aura une limite. Dans la manipulation de vos pensées, il y aura une limite dans la dynamique psychique de votre ego, autrement dit, dans votre processus mental. Il y aura une limite dans la relation entre vos émotions et le chaos que vos émotions peuvent créer dans votre esprit, quels que soient les événements, la mort, n'importe quoi. Tant que vous ne pourrez pas établir la limite de l'influence d'une entité dans votre mental, vous ne pourrez pas avoir la certitude que sur le plan matériel, vous êtes maître de votre destinée. C'est dans ce sens-là qu'un nouveau modèle mental doit être créé pour l'homme, un nouveau modèle d'évolution de conscience, un nouveau modèle de conscience mentale, basé sur la création d'un nouvel ego. Le développement d'un nouvel ego. Tout ceci étant en relation avec la confrontation de l'homme et de l'entité. Si l'homme avait confronté l'entité au cours de l'évolution, durant la période de l'évolution égyptienne, orientale, en Chine, en Europe, l'homme aujourd'hui serait extrêmement avancé. Sur le plan psychologique, sur le plan scientifique, sur le plan mental. L'homme ne se retrouverait pas dans une situation où la science le dépasse. Parce que quand un homme vit sur une planète expérimentale où la science le dépasse, quand je dis que la science le dépasse, je veux dire que l'homme n'a pas suffisamment d'identité pour pouvoir supporter la compréhension que la nouvelle science, la nouvelle technologie lui crée. À ce moment-là, il devient de plus en plus un numéro. Il devient de plus en plus un être assujetti, sans identité. Et le processus d'aliénation devient inévitable. Et l'aliénation de l'homme, au 21e siècle, sera beaucoup plus vaste que l'aliénation de l'homme pendant l'évolution du 20e siècle et l'aliénation de l'homme au 19e siècle. Elle sera beaucoup plus vaste. Parce que les compressions créeront chez l'ego des conditions qui feront en sorte que l'ego ne sera pas capable de comprendre sa vie. Vous marchez sur la rue Sainte-Catherine à 2h du matin, là. C'est plein de monde qui se parle de ça. Les street people, le phénomène des street people dans le monde, c'est un phénomène qui ne s'éteint pas, ça.
C'est un phénomène qui grandit, c'est un phénomène qui se développe, qui se répand. C'est un fléau. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de compression. Le canal est ouvert avec l'astral. Je suis déjà allé chez Duns un soir, j'étais assis, puis à côté de moi, il y avait un type qui se parlait tout seul. Puis j'ai dit, bonjour, j'ai dit, comment est-ce qu'elle est votre catin? Ah, il dit, très bien. Je savais qu'il parlait à sa catin, parce que moi, j'ai ma catin. Mais c'est pas le même catin. Lui, il avait une catin qui le rendait pas mal, qui le débousselait pas mal. Mais il a pas réalisé ce qui se passait. Il dit, ah, pas très bien, ma catin. J'ai dit, elle s'ennuie-tu des fois? J'ai dit, vous ennuyez-vous des fois de votre catin? Il dit, dans ce temps-là, je parle. Ça, j'ai continué à manger mon smoke meat parce que je voulais pas m'éterniser dans une conversation qui mène nulle part. Mais c'est intéressant de voir et de réaliser que de plus en plus d'êtres dans le monde subissent la compression, cherchent des réponses, sont pas capables d'y trouver. Parce que les religions, les philosophies, les systèmes qui ont été utiles pendant l'évolution sont plus suffisamment remarquables pour l'homme conscient. Qui parmi nous aujourd'hui est capable de dire « Ah, ça c'est un grand philosophe » ou « Ça c'est un grand curé » « Ça c'est un grand penseur » Il n'y a plus. Les idéologies sont mortes. Dans les années 30, on était fous, on avait Jean-Paul Sartre au moins. On pouvait lire du Camus. Si on était russe, on pouvait lire du Trotsky, on pouvait lire Boucanine. Si on était français, éduqué, on lisait Jean-Jacques Rousseau. Si on était un petit peu plus sophistiqué, on allait jusqu'à Dante. Si on était intellectuel, on allait jusqu'à Platon. Et on discutait de tout ça, de ces idées constamment, entre nous autres, dans les écoles, dans les corridors, en fumée. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. Les idéologies sont mortes. L'international est fini. Là, on rentre dans l'État corporatif. C'est plus le communisme, là. Qu'est-ce qui va se passer avec l'État corporatif au cours du 21e siècle, 22e siècle? C'est que les États, les corporations, les grosses corporations vont déterminer comment doivent se manifester les gouvernements. Vous prenez Microsoft aujourd'hui aux États-Unis, là. Qui a une capitalisation absolument extraordinaire. Microsoft, Dell Computers, Intel font bouger le stock market américain. Le stock market américain, c'est eux autres. Quand eux autres plantent, tout plante. Checker Intel, quand il n'y a pas des bons earnings, ça plante. Dans la même journée, le stock market tombe. IBM, c'est la même chose. Dell, c'est la même chose. Au 21e siècle, il va y en avoir de plus en plus de ces corporations-là. Parce qu'il y a un processus d'affiliation qui se développe, ce qu'ils appellent des mergers. Les compagnies pharmaceutiques, les systèmes bancaires, il y a trop d'argent. L'argent se cherche. Il se cherche des alliances. Pour former quoi? Pour former une dynamique pyramidale. Banque de Montréal qui se connecte avec la Banque Royale pour avoir plus de pouvoir sur le plan de la grande compétition mondiale, sur la globalisation. L'homme, qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Comprimé, compressé, dans une expérience sociale qui est déterminée par la volonté inconsciente, mécanique de l'État corporatif. Qu'est-ce qu'il fait là?
l'islam ne sait pas comment il fonctionne, s'il connaît pas, s'il n'a pas ses propres réponses à la vie, l'homme va devenir une sorte de demeuré psychologiquement compétent, mais psychiquement effrayé. Parce que c'est pas le degré de compétence que vous avez sur la job en tant que manager, en tant que patron ou en tant qu'employé, c'est pas la mesure de votre réalité. Ça, c'est simplement de l'expertise basée sur l'expérience accumulée au cours des années. Mais quand vous arrivez chez vous le soir, en tant que manager, vous avez une crise avec votre femme qui menace de vous crisser là si vous vous alignez pas selon ce qu'a prescrit. Vous allez vivre en tant qu'homme une grosse réjection. Vous allez voir que le lendemain, ça gueule, ça va aller mal. Pourquoi? Parce que vous ne comprendrez pas votre expérience. C'est la même chose pour la femme. Fait que le développement d'un modèle psychologique basé sur une conscience intégrée, c'est réellement pour l'âme une sécurité à long terme, autant sur le plan psychologique individuel que sur le plan social en développement. J'ai-tu fini, là? Fini? Bon, mais j'ai pas fini. J'ai fini. Comprenez-vous ce que je veux dire?